Le 21e siècle se présente avec des défis et des challenges qui sont majeurs. Et l'un d'eux, c'est les rôles des villes et des ports dans le futur, dans un monde globalisé. L'acte d'acheter par un coup de clic entraîne obligatoirement les convoyages de millions, des dizaines de millions d'objets qui sont emballés dans des cartons et qui vont être transportés. Quand vous multipliez ça à l'échelle planétaire, on comprend que la manière comme toute cette marchandise aujourd'hui sont convoyées, une grande partie, c'est fait par voie maritime. Un puerto, en el inconsciente colectivo, la gente piensa que es solo agua, y la realidad es que el puerto es un negocio de logística, en el cual los barcos llegan, cargan o descargan, y se van. Y a su vez, eso después tiene toda una cadena, que incluye el ferrocarril, llevándose la carga o trayendo la carga, que incluye el camión, llevándose la carga o trayendo la carga, las barcazas, el transporte fluvial de carga también. Entonces, para esto tenemos que preparar no solo el sí, sino también tenemos que preparar el land. En esto hago referencia justamente a esta empresa de contenedores que era Sealand, que es el precursor de los contenedores. La dernière très grande rupture technologique majeure, elle est pourtant d'une simplicité enfantine, c'est d'avoir inventé la conteneurisation. On met de plus en plus de marchandises dans une boîte métallique standard. Ça devient comme une ligne de bus finalement. Vous avez des horaires, vous pouvez partir à 10h, vous pouvez partir à 14h, vous pouvez partir à 18h. C'est pour ça que de Shanghai, par exemple aujourd'hui, vous avez un départ toutes les 30 minutes vers la Méditerranée et l'Europe. Ça veut dire quoi? Plus on standardise et moins normalement on est susceptible de payer cher. Parce que le volume exporté, importé, consommé écrase les coûts fixes. On fait exactement la même conteneurisation qu'il y a 50 ans, simplement que celle d'aujourd'hui au niveau maritime, j'entends bien, elle permet à un navire de transporter 22 000 boîtes, 100 millions de paires de chaussures sur un seul navire, alors que, évidemment, il en fallait des dizaines pour transporter la même quantité de marchandises il y a 30 ou 40 ans. Les trois dernières grandes révolutions, ça a été la conteneurisation, l'Internet et le smartphone. Donc avec votre smartphone, grâce à Internet, vous pouvez charger un conteneur et avoir vos lunettes, votre t-shirt, n'importe quoi, quasiment, presque en temps réel. L'arrivée du bateau au port, ce n'est que le début d'une continuité, d'une chaîne globale qui, elle, comme maître mot aujourd'hui, c'est l'interconnexion et la multimodalité, c'est-à-dire la utilisation de diverses ressources matérielles et immatérielles pour gérer cet acheminement. La ville-port devient aujourd'hui ce que nous appelons donc un hub, c'est-à-dire un lieu qui fédère et qui transforme les échanges dans le cadre d'une chaîne beaucoup plus globale. We visited Bolloré Logistics Center in Le Havre, where Nicolas Chey gave us an example of how added value is created in the logistics chain. Donc ici, on reçoit les marchandises, donc soit des fournisseurs directs, donc ça c'est clairement un fournisseur direct de purée qui nous a fait une palette complète de purée. On va ensuite passer ces palettes au traitement, c'est-à-dire qu'on va les ouvrir, on va venir scanner chaque produit pour déclarer toutes les réceptions qu'on fait, et on va avoir le traitement donc, qui consiste à coller des étiquettes avec la désignation du produit et la composition du produit en langue de destination et ajouter aussi des dates de production sur les produits. The final link in this complex logistical chain is the last kilometer in the goods journey where smart and efficient new solutions are increasingly being developed. Le dernier kilomètre, c'est essentiel, surtout dans la logistique urbaine. On essaye d'amener les marchandises de la manière la plus écologique possible au plus près de la destination finale. On est en train de mettre en place un réseau de centres de distribution urbaine qui permettent justement de grouper les marchandises et de les distribuer dans Bruxelles de manière la plus écologique possible. Alors, on a déjà des sociétés qui font des livraisons par triporteur vélo, par camionnette électrique ou au gaz. Et donc le but est vraiment de faire en sorte que la livraison finale se fasse de la manière la plus
rationnel possible en tenant compte de la qualité de vie des habitants de la ville. On est en train de réfléchir à des types de transports qui soient à la fois plus complexes, qui mêlent plus les uns avec les autres les différents modes de transport, entre le ferroviaire, le routier, l'aérien, le maritime, le fluvial, etc. Peut-être demain d'autres modes qui n'existent pas encore, l'hyperloop, donc le transport sous tube, des choses comme ça. Et on se dit que voilà, une marchandise, peut-être qu'elle va, une même marchandise qu'aujourd'hui part groupée d'un endroit pour aller à un autre endroit, peut-être qu'on pourra l'éclater en plein de petits colis différents pour mieux optimiser la charge de chaque conteneur ou la charge de chaque contenant, de façon à ce qu'on transporte moins de vide. Les flux sont très déséquilibrés entre donc, les zones de production globalement asiatiques et les zones de consommation, notamment en Europe. Donc on a des centaines, voire des millions de conteneurs qui arrivent, pleins, et on a beaucoup de conteneurs vides qui doivent repartir là-bas pour être rechargés. Historically, we depended quite a bit on the shipping of goods across the globe for our economies to function properly. And, you know, even to this day, that's still true, but the digitization of the economy is happening so fast now. And we're also seeing other shifts where people are starting to make and produce things more locally with 3D printing and all these things. And so there's a combination of things, which is that we're moving away from an industrial past, which was reliant on the shipping of not just end goods, but also sort of raw materials for production of things, to more digitization of assets and exchange of things like music and books and all kinds of things that can be done online and digital instead of physical. Even physical things will no longer necessarily have to be transported around the world for us to have a cool design made in Barcelona used by somebody in Uruguay. Why not in the future can you just send the digital design from Barcelona electronically to Uruguay and then they print it locally with local materials.